moment, si yon Haïtien, un Cubain ou bien un monde qui sorti du Nicaragua, essaye entrer sous frontière Mexique là pour yon vini aux États-Unis dans des façons irrégulières, yon pral retourner, yon pral pipe yon, retourner yon au Mexique. Donc ça veut dire que bon, alors ça qui était rapide, c'est ça qui crée confusion qu'on y a là, parce que rapide monde dit bon, et États-Unis prend une décision là, qui est ce monde qui est capable, les États-Unis d'après déclaration président Biden fait, il dit sous rete la carrière pas venir demander asile sous frontière. Oui. Deuxième volet, c'est une policy, c'est une annonce qui fait qu'il y a plusieurs volets là-dedans. Deuxième volet, c'est un volet positif que lié. Parce que selon annonce là et selon un pile travail qui t'a fait, côté que nous t'ai demandé pour même priorité, pour même programme, y était bail ukrainien, pour y était capable bail haïtien. Tout son bagage que chaque fois nous venons sur voie de l'Amérique, nous toujours dit tout le monde que nous travaillons sur ça pour nous joindre une solution pour haïtien avec l'autre nationalité. Alors, deuxième volet, dans annonce qui fait là, gagnons programme parole, un programme de comme c'est dit en créole, un programme qui pourra faciliter mon entrée aux États-Unis. Qui j'ai un programme là? Programme là encore il fait pour trois pays. Pays Haïti, Cuba, Nicaragua en addition de pays Venezuela. Qui ça que yo pral fait? Yo pral mette en disponibilité 30 000 applications côté moun nan 4 pays sa yo kapab aplike si et seulement si yo genye yon moun ki kapab sponsorize yo aux États-Unis. Ça veut dire yon moun ki kapab accepte pour recevoir yo, yon moun ki kapab bay papier ki gen preuve que yo genye ici aux États-Unis dans des manières et légal, soit moun nan genye green card ou bien lisse yon citoyen américain ki kapab bay yon moun yon sponsorisation, soit moun nan en Haïti ou bien moun nan au Brésil, Chili, Mexique, nan n'importe pays côté lié. Mais puis gros bagay ki genye pour moun yo comprendre, si que ou essaye entrer au Mexique à partir de jodi an, ou pas qualifié pour programme là faut ta déjà Mexique avant même que yo bay annoncement non bagay que nous pousser en pile et que yo accepté avec lui c'est que moun nan gen droit appliquer dans n'importe pays que lié par exemple si que kounya pendant m'a parlé avec roi ou Guatemala ou pas appliquer de Guatemala étant si que au Panama ou pas appliquer de Panama étant. Mais si vous essayez de sortir Colombie jodi hein, pour entrer Panama demain, ou pas qualifié pour capable participer là-dedans. Si que Haïti kounya ou capable participer là-dedans. Ça veut dire si moun nan ou c'est un haïtien, moun ki sorti en Haïti, Cuba, Nicaragua, nan n'importe côté que ou yé ou capable appliquer mais ou pas qu'à rentrer de pays à pays pour appliquer si que vous attendez aller Mexique tant pris si que vous attendez monde aller Mexique qu'on y a pour appliquer c'est pas vrai faut t'as déjà Mexique pour capable appliquer pour capable et participer dans programme là en clarifier petit peu ça pour tes spectateurs nous donc yon monde pour appliquer si vous êtes déjà au Mexique avant annonce là ou capable appliquer bah ouais. Exactement. Si vous êtes déjà au Mexique avant annonce là, ou capable appliquer. Mais si vous trouvez. Si vous êtes au Mexique, ou êtes au Mexique, vous êtes à côté de là, ou c'est citoyen de trois pays, ça, on a parlé là, Haïti, Nicaragua, avec Cuba. Exactement. Ou si par exemple, Kounia ou Guatemala, et pour dire impression, ou bien vous voulez entrer au Mexique pour aller appliquer au Mexique, suggestion, c'est appliquer Guatemala. Parce que à partir de aujourd'hui, tout le monde qui a essayé de courir entre le Mexique n'est pas capable de participer dans le programme. Parce que le gouvernement mexicain n'a pas voulu pour tout le monde venir gonfler
au Mexique pour dire que c'est ton yap ton. Alors, sous addition, côté que si ou entrez sous frontière, n'importe frontière que li a, passé en bas fil, passé sous tête bagay ou bien moun kap fò entrer en coulisse, ou risque soit que yo déporté ou Haïti ou bien yo retourné au Mexique. Mais si que yo kembe ou yo retourné au Mexique, malheureusement ou pas capable participer dans programme nan dans le futur. Alors question qu'on a, c'est qui bon pour mon application pas pour le faire en ligne ou bien est-ce que l'allemand consulat américain dans pays côté d'IA, il faut application. Est-ce que c'est une application pour asile ou une application pour entrer aux États-Unis? C'est une application parole que lié pour seulement faciliter pour mon entrée aux États-Unis. C'est pas asile que lié. C'est pas un asile permanent côté qu'il est capable de gagner toute bagaille et résidence, etc. C'est une parole que lié. Mais ça qui bon là-dedans, c'est que depuis où gagner la communauté, on voulait clarifier. C'est pas TPS. Ni li pas tant que TPS. Ni pas un rien pour le avec TPS. Nous pas qu'à mentionner même deux programmes ça yo nan même phrase parce que c'est deux bagages complètement différents. Nous pas voulez créer confusion, nous pas voulez créer mauvaise information. C'est ça qui fait nous vini dans voie de l'Amérique pour capable ba nous bon gens information parce que même gouvernement américain pour qu'on gagne tout détail, n'est-ce pas, que nous capable toute question que nous gagne pour qu'on réponde tout. Alors, si c'est pas un monde qui n'a gouvernement américain, ou bien un monde qui a travaillé spécifiquement sous programme, nan, en concert avec département qui concerne yo, moi, t'as conseillé haïtien qui a bail nouvelle, conseillé haïtien qui a bail information, tant pris. Pas bail mauvaise information, pas bail fausse information, pas mettre confusion dans la communauté, si que ou pas gagner yon réponse, tant pris, chercher qu'on est, gagner bon jeu information avant nous partager avec la communauté. N'a pour pontibay là encore. Moun ki Guatemala ou bien haïtien, cubain et nicaragouin qui nan un pays qui pas Mexique, jodi a la, et kapte de programme nan la, yon capable bon téléphone. Et vous pouvez aller dans le téléphone à appliquer. Mais avant de faire ça, il faut que vous assurez que vous gagnez une famille ou bien un ami qui déjà aux États-Unis qui patronne. Qui est impossible que ça ne va pas le faire pour le patronner? C'est vos papiers Bali, vos lettres Bali, qui ça va faire? Oui, c'est patronner. Si que vous pas un patron aux États-Unis qui va recevoir, ou un monde qui gagne un statut légal aux États-Unis, soit que vous gagnez 4 résidences, ça nous les green card là, ou bien yon citoyen américain, moun sa, si que yon pa yon statut légal, li pap kapap patronne yon. So, moun vle clarifier ça en pile, parce que yon pile moun ki geta ap mande, et m yon famim ki te entre, koun yon li kapap et fil pou moun non. Li pa kapap patronne yon, li pa kapap sponsorize yon, si que li pa deja genye statut légal aux États-Unis. Et pou m répondre question Jean-Robert là, oui, n'importe côté que ou yé, si ou sont haïtien, et ou bien on sorti Cuba, Nicaragua, en addition de Venezuela, n'importe côté que ou yé ou capable appliquer. Kounya, ki jan yo pral wè application yo? Yo poko genye tout information sa. Gouvernement américain poko bay tout information sa. Yo bap répéter. Gouvernement américain poko bay tout information pou di mais ki jan mais tel papier pour voyer avant que yo répond nous, mais c'est un processus qui va le dérouler d'ici si que yo pas ouvrir le jeudi, d'ici lundi yo capable ouvrir processus là pour monde capable commencer à remplir et forme en ligne. C'est une forme qui va disponible en ligne, n'a voyer lien en l'écran bail Jean-Robert en voie de l'Amérique pour les partager avec communauté. Nous capable aller tout sur Haitian Bridge Alliance, nous capable joindre information ça. N'a travail pour nous capable mettre information pour nous à disposition pour nous capable pas tomber dans problème. Tant pris. Pas essayer entrer sous frontière là sans autorisation parce que y a pipé ou retourner Mexique et malheureusement seul moyen
qui capable garantir au monde pour lui entrer aux États-Unis dans condition ça yo c'est pral et à partir de programme parole qui fait mettre sous pied. Et programme parole ça il valable pour 2 ans ou bien moins pour être dans pays pendant 2 ans pour tout cas un permis de travail c'est ça. Et c'est ça yo dit mais nous à travail pour une clarification pour qui ça qui pral arriver après 2 ans. Maintenant, on parle d'immigrants qui déjà au Mexique eux-mêmes. Qui sait qui j'en va faire? Qui est-ce qu'on leur procédure? Qui en va faire par eux-mêmes? C'est même programme là. C'est même appelant que ils pourra le mettre dehors pour être capable de faire application. Mais immigrants ça eux-mêmes, les applications sont faites Kounia. Est-ce que c'est pas voie pour présenter non pas dans les États-Unis? Oui, c'est pour le moment programme là c'est un programme voie aérienne que lié et mais pour monde qui déjà sous frontière là et puis ça dépend de côté monde n'a pas aller n'est-ce pas gagne airport dans toute zone ça yo c'est que Tijuana gagne airport Tijuana gagne airport Mexico City et ça c'est petit détail que nous gagnons l'autre réunion avec gouvernement plus tard c'est petit détail nous pral mandé yo pour capable porter pour nous donc programme ça Jean m'en a parlé c'était avec 30 000 visas par mois pour 4 pays ça yo ça ban 7 500 visas par pays. Non, nous pas divisé, pas divisé le par pays. Nous même nous t'a demandé est-ce que vous capable diviser entre 3 pays avant que vous t'ayez ajouté Venezuela sous lui, c'était Haïti, Cuba avec Nicaragua et c'est à la dernière minute que vous venez ajouter Venezuela sous lui. Alors nous t'ai demandé est-ce que avant c'était 30 000, là, nous t'ai demandé est-ce que vous t'a divisé 30 000 là par 3 pays ça yo mettez 10 000 pour chaque pays. Yo dit non. Non seulement vous ajouter Venezuela, c'est un yo pas bail une quantité pour chaque pays, c'est 30 000 là pour tous les 4 pays en général. Alors nous toujours ouais que gagner un déficit, n'est-ce pas pour haïtiens parce que nous-mêmes nous toujours bataille pour haïtiens et prioriser haïtiens, n'est-ce pas nous bataille pour tout le monde. Mais bataille pour prioriser haïtien nous te dit comme ça que l'autre bagaille faut qu'on gagne un passeport n'est-ce pas faut qu'on gagne un passeport pour capable participer dans programme là nous te dit il y a pile monde qui pas un passeport nous connaît gouvernement haïtien pas vraiment et marcher Jean pour ta marcher comment si mon Haïti qui pas possibilité pour gagner un passeport comment ça à pied si on monde dans chemin dans route là qui Panama ou bien qui Guatemala qui paye passeport comment que yo pral jouer une facilité pour yo capable participer dans programme dans tout ça yo c'est petit bagaille que nous ouais qui pral mettre haïtien dans des avantages que n'a travail sur yo et beaucoup n'y a là et donc yo côté capable dit que c'est une façon pour l'administration décourager immigrants qui vider sur yo sous frontière ça. Absolument. Programme non c'est un programme et président dit carrément c'est pour capable et décourager ou bien comme on t'a dit non seulement décourager mais mettre l'impossible pour mon arriver sous frontière là pour si mon n'a pensé que le bras venir pour l'entrée comme ça parce que si que on venir ou entrer et yo déjà dit que gouvernement Mexique a accepté pour retourner au Mexique surtout dans pays ça yo qui gagne en pile problème et pour le moment. Donc là retourne si on fout au Mexique ça va passer à retourner au Mexique ou pas qu'à venir aux États-Unis encore pas capable pas encore. Exactement parce qu'on pas capable participer dans programme là c'est ça qui fait nous suggérer et nous vraiment bay moun yo information si que au Mexique kounya ou qualifier, c'est une bagaille, nous bataillons pile pour lui. Parce que si nous songeons, l'autre, pour pas Venezuela, toute Venezuela était obligée de retourner Venezuela pour être capable de participer dans le programme. C'est une bagaille, nous bataillons pile pour lui, parce que nous disons, haïtiens, surtout, cubains, y'a pas qu'à retourner dans le pays, là, y'a fait arriver Mexique ou bien Panama, qui fait que nous t'es vraiment bataille pour inclure le monde qui déjà en route, côté yoya yo capable appliquer mais si que wap essayer vini après yo fait annoncement malheureusement ou pral tomber dans problème donc gen moun ki di son paliatif ri ba ça pa veut dire que problème immigration la résout quand même
Non, au contraire, c'est mettez sous problème immigration, sous problème immigration, sous problème titre 42, hein, c'est ajouter, c'est plus problème que le gouvernement a ajouté, parce que pour le moment qu'on y a, à cause de nouvel programme, ça, oui, dans un sens positif, un pile monde pour participer, 30 000 monde par mois qui sortent dans quatre pays, ça, pour participer, mais les fermer pour tout l'autre monde, n'est-ce pas? Les fermer tout, non seulement pour tout l'autre monde, pour monde qui pas attendait, qui pensait que yo capable passer dans l'autre façon pour y rentrer, tout le monde ça yo connait pas trouver un problème. Alors c'est comme si on dit gagner un bon un côté libre pour haïtiens, cubains, nicaraguayens avec vénézuéliens. Mais en même temps, c'est un gros problème que lié pour le système migratoire là, et aux États-Unis, surtout sous frontières là. Oui, parce que dernièrement, j'étais à El Paso et me rencontrer avec des immigrants et latinos surtout pour plus fort et vénézuéliens en majorité qui traversent les frontières par l'autre moyen que n'a pas les en bas fil traverser de l'eau sans passer par cette immigration et moi je suis retrouvé actuellement dans El Paso, Texas. Qui sont les gens qui entrent sans document légal, ça ne va pas passer par cette immigration. Ça, qu'est-ce que c'est pour les gens? Bon, ça réserve pour moun sa, c'est samedi là, moun sa, yo pral mette, yo pral serre boulon à moun sa yo, qui a essayé d'entrer. Comme si ça moun pa comprenne, yo toujours pensé que le gouvernement américain pa konnen, le yo entre en bas fil de façon irrégulière. Yo konnen, so sa yo pral fè koun ya depuis yo kembe ou, au lieu pour ta laisser passer et quitter yon plus ou moins nan mwa sa k sot passe. Nous, ouais, ça t'est fait en pile parce que moi-même, tout m'était elle passe au Texas, c'est dans l'autre port, yo. Mais quand y'a eu pral mette des y'a pral serré boulon et ça y'a eu, et des potes moun qui essayaient de rentrer, y'a eu risqué pour non seulement être capable et détenu, mais retourner yo et Mexique. Quel est le type de programme que l'administration a fait, en particulier avec l'organisation, Montecapestrine, l'organisation, l'été d'entrée pour les humanitaires? Est-ce que le programme ça a connu avec le nouveau programme d'administration à lancer là? Le programme ça a fait mais? Pour le moment, je ne suis pas capable de dire oui, je ne suis pas capable de dire non, et Jean-Robert. Mais il y a un pile de monde qui était enregistré, comme on connaît. C'est un programme que nous-mêmes, personnellement, qui travaillons pour capable créer pour Haïti, capable participer là-dedans. Et pour le moment, il y a toujours facilité les gens qui étaient déjà soumis non yo, pour le programme. Nan. Pour le moment, ils continuent, n'est-ce pas? Avec le programme, non, mais nous pas connaît pour combien de temps. Et en plus de ça, programme nan jan que li fait là, li pral changer. Mwen pou ko kapab ba nou toute information de ki jan changement yo pral fait, mais d'ici la semaine prochaine, m'ap retourner pour kapab ba nou mais ki changement ki fait nan programme nan et mais ki jan moun kapab participer là-dedans tout. Et là, c'est en tout cas, on va faire une émission spéciale pour vous, pour qu'on va partager avec les spectateurs. Justement, on va m'aller à Maman Légali, il va me connaître que, ou charger réunion, ou participer, je dis à surtout, et nous remercions le fait qu'on va nous, en priorité spécialement pour les spectateurs, pour qu'on essaie de comprendre là. Alors, je vais résumer en gros pour nous, nouveau programme d'administration, hein, maintenant c'est là. Qui est-ce qui couvre, qui est-ce qui pas couvre, qui j'en sais. On résumé de qui ça nous doit attendre du programme ça. Oui, en résumé, nous pouvons gagner toute information. J'aimerais dire, nous, c'est nous avons une réunion dans 2 heures de temps, nous avons notre réunion avec le gouvernement pour capable clarifier quelques questions qui pas trop claires parce que nous voulons rassurer nous que communauté haïtienne spécifiquement, tout le monde, mais communauté haïtienne spécifiquement, gagne bonne information pour ne pas tomber dans le problème. Et encore une fois, nous demandons des gens qui ont fait, qui ont bail nouvelle, des gens qui ont mis sous pied que yo capable de bail service, tant pis, pas couper coût communauté, pas mettre dans problème. Et si que ou pas gagné information, pas bail information parce que ça a créé un pile danger pour communauté à pour freiner action. En résumé, et annoncement qui bail là gagne plusieurs volets là-dedans. Volet qui positif là, c'est que moun ki soti Haïti, Cuba,
Nicaragua avec Venezuela gagner possibilité pour yo appliquer notre nouveau programme parole qui mettait sous pied. Yo mettait 30,000 et applications qui pral disponible, 30,000 applications qui pral disponible pour tous les 4 pays ça yo. Alors nous pas gagné un numéro qui dit mais combien y a bay haïtien, mais combien y a bay cubain, etc. 30,000 là c'est pour tout le monde en général. Qui monde qui capable appliquer pour lui? Depuis le monde qui sorti dans pays Haïti, pays Cuba, pays Venezuela avec pays Nicaragua, n'importe côté que vous êtes capable appliquer. Ou capable appliquer dans pays d'origine ou si vous êtes haïtien, ou capable appliquer en Haïti, si vous êtes cubain ou appliquer Cuba et dans l'autre pays Venezuela avec Nicaragua. Si que ou déjà Mexique, ou capable appliquer Mexique. Mais si que ou Guatemala, ou capable appliquer Guatemala, mais ou pas qu'à quitter Guatemala pour entrer Mexique pour venir appliquer après ou bay annonce là. Si que ou déjà sous frontière Mexique là, ou essayer entrer aux États-Unis de façon irrégulière, yo apkebe ou risque soit déporté ou bien yo retourner au Mexique. Et si yo kembo yo retourne au Mexique, malheureusement ou pas capable participer dans programme parole là dans le futur. Yo fait ça dans une façon pour yo capable décourager moun entrer de façon irrégulière parce que yo connaît si qu'on fin entrer ou pas capable participer encore, alors ou risque pas jamais venir aux États-Unis. Donc Michel, comment programme n'a pas lié? Toute information pour qu'on sorti. Gouvernement américain pral bay plus information. Nous gagnons réunion avec yo après-midi. N'a pas retourné pour nous capable répondre plus questions pour nous. Mais pour le moment, si que ou Haïti ou capable qualifier, si que au Brésil, Chili, Guatemala, Panama, Mexique ou capable appliquer, si que ou rete côté que ou yè. Kéline, Joseph, bon merci pour toutes les précisions sur votre côté, parce que les décisions, ça, mon commence à mésinterpréter, les commence à mal faire mauvais message passer pour bail là. Nous remercions un peu pour toutes les précisions sur votre côté, et encore apporter plus de précisions, encore léguer l'autre information qui est disponible pour les téléspectateurs de la Voix de l'Amérique.